Bah, la soirée, une fois que mes mal de tête étaient passés, ben, ça allait mieux. La nuit, je me suis emmitouflée un peu plus. C'est allé, je crois que j'ai dormi un peu plus, mais il faisait froid. Et puis ce matin, ben, on avait beau temps, comme tous les matins. Et puis c'était une bonne journée aussi. C'était sympa de faire un peu de grimpe. On est arrivé à Barranco après quasiment 800 des moins, voilà, sur un camp, et on se retrouve face à une falaise, et cette falaise est super impressionnante parce qu'on voit en fait le sommet Kibo, et on sait qu'il faut passer par cette falaise. La nuit, j'ai eu un petit peu froid. J'ai pas réussi à dormir. Je pense que c'est dû à l'altitude. Et la journée a été harde quand même, mais toujours avec des beaux paysages. Un passage assez difficile pour ma part au départ du camp. Mais voilà, j'étais bien accompagnée, donc j'ai pu passer sereinement, on va dire. La nuit, c'est comment? La nuit, toujours très compliquée les nuits. Toujours très compliqué, avec la sensation qu'on n'arrive pas à dormir et qu'on dort pas en plus. Et voilà, mais en fait, j'ai réussi à m'endormir et je pense que j'ai dormi un peu plus longtemps que les autres nuits. Donc voilà, ce matin, c'était très bien. Troisième nuit au camp, ça s'est beaucoup mieux passé. On était bien, on s'est bien calé dans la tente, on a bien tout mis comme il fallait. Et j'ai fait une nuit de près de 7 heures, donc c'était vraiment bien parce que vu comme j'étais la veille, j'étais pas sûr de pouvoir repartir le lendemain, c'était à ce point. Donc on est parti ensuite de ce camp-là directement pour le dernier camp avant le sommet, à 4006. Donc on est passé de 3009 à peu près à 4006. Tu peux lui faire confiance, Bruno. Dans l'intimité, je l'appelle la sorcière. Et la montée? Alors, très dur. Très dur. J'ai eu sommeil en plus rapidement dans la matinée. Et arrivé midi, j'étais épuisée. J'aurais bien fait une petite sieste. On a bien mangé, voilà, on est vraiment chouchouté. Et voilà, une fois qu'on a eu mangé et bu deux cafés bien chauds, c'était reparti. Alors, cette petite journée, je crois que ça se voit pas, mais là, je suis au sommet de ma forme. J'ai passé une nuit horrible. J'ai vraiment mal dormi, j'ai eu très froid. C'était sans arrêt mettre des doudounes, enlever, mettre, enlever, mettre, enlever. Et en fait, bah, j'ai eu mal à la tête. J'ai eu froid, chaud, j'ai pas dormi. Et ça a bien commencé le matin avec hyper mal à la tête. Donc, j'étais encore en soirée. Et là, ça va mieux, mais l'altitude, ouais, je pensais pas à ce point-là. J'avais un peu l'habitude de l'altitude, mais là, non. C'est comme ça, c'est le kili. Ça me rappelle que tu sommets quand même demain, tu vas y arriver. Ah, c'est sûr. Oh, Moonwolf. Cette image est dingue. Ouais, pareil. Aujourd'hui, bien, monté Karanga depuis Barranco, donc nickel. On a vu l'incendie qu'il y avait le mois dernier. Et l'équipe, bien, hein, donc. Des fois, il y a des gens qui étaient pas trop bien, mais dans l'ensemble, tout le monde a bien marché.
Ouais, alors là, c'était pareil. Il commençait un peu à faire froid en plus. Donc, la fatigue, l'altitude, la respiration est compliquée, reprendre son souffle. On est dans le sud-ouest, on est à 4000 mètres. Donc on arrive au camp, ce qu'on fait, on se pose tranquille. Hein. On commence déjà à organiser un petit peu pour demain. Trier, vous allez avoir votre gros sac déjà là, avant de se reposer. Vous regardez un petit peu ce que vous allez utiliser pour demain, mettre de côté. Okay. Pas attendre ce soir qu'il fasse nuit à moitié ou quoi. Ça, c'est important. Voilà, maintenant on a préparé les sacs. On a Barafou 4600 mètres. Donc on a décidé d'aller direct à Barafou parce que monter Karanga, c'est assez court. Puis entre Karanga et Barafou, pareil. Donc là, on est bien. Et puis quoi d'autre? Donc là, tout le monde a fait le sac. On est prêt. Dans une heure, on mange. Et puis après, on va partir vers minuit. Il fait beau, la météo annoncée est belle, les gens se reposent tranquilles et puis voilà, optimiste pour demain. C'est plus difficile à 4600 mètres, hein, il n'y a pas... Donc bonne sensation aujourd'hui, ça a été top, jusqu'à ce qu'on arrive donc là, à ce camp-là, où la fatigue quand même cumulée et la fatigue de la journée se fait sentir, et surtout la fatigue due à l'altitude. C'est loin ? Non. Si c'est loin, putain. On est maintenant arrivé au dernier camp avant l'assaut final pour le sommet. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est à 4673 mètres. On n'a plus qu'à grimper jusqu'au sommet. Donc le but va être de grimper toute la nuit pour arriver vraiment au lever du soleil, prendre sa photo et redescendre bien évidemment. Sachant que la descente est très très longue puisqu'il y a environ 3000 mètres de dénivelé négatif. Donc c'est pour ça qu'il faut garder de l'énergie, il faut y aller vraiment tout doucement, grimper doucement, mais on s'est acclimaté pour ça durant les 4 derniers jours. Et puis ben, comme tous les soirs, on arrive avec le brouillard, mais voilà, on a préparé nos affaires et puis ben, on attend de partir. Quoi. Moi ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu as gagné ou non ? J'ai aussi gagné, en tout cas ça m'a soigné mon mal de tête. Voilà, et là on est à Barafou Camp et le départ est imminent. Voilà, à minuit.